La ressource a repris de la vigueur au cours des dernières années, puis maintenant, entre présentement, la croissance de la biomasse est presque exponentielle. Je me rappelle qu'en 2018, on parlait de 2,7 millions de tonnes pour les deux stocks de Sébaste, puis dans le Golfe. Puis présentement, on parle davantage de 4,5 millions de tonnes. C'est vraiment énorme. C'est très logique parce que c'est les mêmes grosses cohortes qui croisent d'une année à l'autre. Et donc, la biomasse augmente simplement. La mortalité est faible. Les poissons croisent. Donc, ça donne une biomasse très élevée présentement. La pêche au Sébaste au Québec était dominée par les madelinots. Une compagnie jadis qui s'appelait Gorton Pugh, qui est une compagnie américaine du secteur de Boston, qui est devenue au fil des ans Madeline Pêche. Donc, les madelinots pêchaient certainement deux tiers ou trois quarts du stock de Sébaste qui était débarqué au Québec pendant longtemps. La Gaspésie en débarquait une bonne partie aussi, une partie appréciable, surtout dans les années où l'usine de Paspebiac était concentrée sur la transformation du Sébaste. Mais c'est un stock qui a vraiment décliné assez fortement à partir du milieu des années 70. Entre 70 et le milieu des années 80, jusqu'à l'imposition d'un moratoire sur Sébaste, 85-67. En 1973, à peu près 103 000 tonnes dans l'est du pays, à 9 000, un peu moins de 10 000 tonnes en 1983. En une décennie, on a perdu 90 % des prises. Il a fallu pratiquement 35 ans avant de reconstruire le stock. Le Sébaste étant un poisson dont la croissance, c'est-à-dire, est vraiment très, très lente. On a même pensé un bout de temps qu'il n'y en avait pratiquement plus. On est passé à une situation où le stock était complètement effondré, à une situation où le Sébaste domine outrageusement là, tout ce qui est d'abondance et de biomasse dans le golfe du Saint-Laurent. On estime que 80 % environ de tout ce qui est vivant dans le golfe du Saint-Laurent présentement, c'est le Sébaste. Donc, il est omniprésent. Il est omniprésent. Là, c'est littéralement une marée rouge présentement dans les eaux du fond du golfe. C'est du Sébaste qui est encore en grande partie juvénile, qui devient adulte. Donc, c'est du jeune Sébaste. Et puis, ça laisse présager un retour de cette pêche-là après de nombreuses années. Là, on est en train de se préparer à un retour de la pêche dirigée. Il faut faire ça comme il faut, sans répéter les erreurs du passé. En réalité, je pense que le principal risque présentement, c'est l'impact par rapport aux autres espèces.
parce que le sébaste, c'est quand même un grand prédateur. Et puis là, il y a des espèces fourragères, donc des proies, comme par exemple la crevette, où là, on commence à s'interroger quel est le rôle du sébaste par rapport au stock de crevettes. Est-ce qu'il y a vraiment une compétition contre la pêche? Donc, c'est des questions de recherche, ça, qu'on étudie présentement dans mon laboratoire. Bon, le sébaste, c'est une espèce qui n'a pas été étudiée beaucoup dans le passé à cause de la difficulté de les remonter vivants à la surface. Nous, on a réussi cet exploit. On a le seul cheptel de sébaste en captivité, en nombre suffisant pour nous permettre de faire des études sérieuses. Donc, on a une espèce qui est devenue très abondante, mais on ne sait pas comment cette espèce-là va gérer ces changements environnementaux. On ne connaît pas, à cause de la difficulté à l'étudier, ses préférences environnementales. Alors, c'est ce qu'on veut déterminer ici dans nos bassins expérimentaux à l'IML. On envoie des plongeurs qui sont capables de se rendre à des profondeurs où on commence à voir du sébaste, parce que normalement, le sébaste est beaucoup, beaucoup plus profond que ça, mais il y en a quand même quelques-uns, particulièrement des plus jeunes, qui vivent à 20, 25, 30 mètres où les plongeurs peuvent aller. Mais ce n'est pas tout de les trouver là. Il faut aussi les remonter très lentement. Alors, les plongeurs qui ont fait le travail qui a permis de ramasser tous ces beaux sébastes attrapaient les sébastes à l'épuisette, les mettaient dans des cages et on laissait les cages un peu plus proches de la surface pour une première nuit. Le lendemain, on remontait la cage encore un peu. Finalement, ils faisaient des paliers de décompression, comme les plongeurs font de toute façon. Typiquement, nos plongeurs allaient sur le terrain pour environ une semaine. On a réussi au-delà de nos espérances. On espérait en ramasser 400, puis on en a 800. Oui, c'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 60, 75 ans. Puis il y a peut-être des petits vieux qui font même mieux que ça, là. Donc, c'est un poisson qui, il est chanceux, ça veut dire qu'il n'a pas été mangé, il n'a pas été pêché. Il peut vivre très longtemps, mais la conséquence de ça, d'habitude, les espèces de poissons qui sont longivives comme ça ont tendance à croître lentement. En plus, c'est une espèce qui ne vient pas particulièrement grande, hein. C'est des poissons qui ne vont pas vraiment dépasser le 40, 45, 50 cm. À 75 ans, ça ne fait pas une grosse croissance par année, là. Donc, les plus petits vont manger plutôt des crustacés et même du plancton pour les très petits. Les plus gros vont manger de plus en plus de poissons. La majorité des sébastes qu'on a ici à la salle des bassins faisaient, il y a un an, entre 15 et 18 cm. Ils ont tous grandi de peut-être 3 cm depuis. Et à cette taille-là, on leur donne 3 repas par semaine. Un repas de caplan, un repas de crevette nordique, l'espèce qui est pêchée commercialement, et aussi un repas de krill. Je vous dirais que des trois, ils semblent préférer le caplan. Une des questions importantes à laquelle il faut répondre, c'est quelles sont les températures que le sébaste préfère et lesquelles il peut tolérer. Les eaux dans lesquelles on le trouve en ce moment, à l'âge juvénile et adulte, les eaux profondes, étaient jusqu'à il y a quelques années de 4 à 6 degrés, mais maintenant, on parle plus de 5 à plus de 7 degrés. Ça paraît pas beaucoup comme différence, mais c'est des animaux à sang froid, puis 1 ou 2 degrés de plus pour des animaux comme les poissons, ça fait une grosse différence. Et il n'y a pas de raison que ça arrête de réchauffer dans le contexte environnemental actuel. Bon, ben à la fin de tout ça, on va avoir une meilleure idée des températures optimales et tolérées pour l'espèce. Parce que si, après la première expérience, on voit que tout ce beau monde allait encore très, très, très bien à 10, on va refaire une expérience par après qui va aller à des températures encore plus chaudes que ça. Il faut absolument qu'on puisse cerner à partir de quelle température ça va moins bien. On va aussi avoir une idée si le pH qu'on s'attend d'avoir à la fin du siècle va être tolérable pour ce stock.
c'est leur tolérance à des faibles niveaux d'oxygène dissous, donc l'hypoxie. Il y a aussi peu d'oxygène dans l'eau, dans l'estuaire, dans les eaux profondes de l'estuaire, qu'il y en aurait pour un être humain au sommet de l'Everest. Mais c'est encore même pire que ça. On n'est vraiment pas certain. C'est pour ça qu'on fait de la recherche ici, pour mieux comprendre comment les sévases vont faire face à un gradient de température différent. Parce que dans les faits, très peu est connu sur la physiologie des sévases, donc encore moins quelle sera leur réponse au changement climatique. Mais d'ici quelques années, on devrait en savoir plus. Le sébaste que vous transformez ici occasionnellement à l'usine pêcherie gaspésienne? Présentement, le sébaste vient de prises accidentelles des bateaux, des bateaux côtiers qui pêchent avec des filets maillants. Des bateaux qui pêchent le turbo, mais qui ont des espèces en prise accidentelle. Donc, ces prises accidentelles-là de sébaste, est-ce qu'elles sont fréquentes? Oui, fréquentes à peu près à tous les débarquements. Là. Peut-être pas à tous les débarquements, mais assez souvent. Les sébastes ont la particularité d'être des espèces qui grandissent très lentement, mais qui peuvent vivre très longtemps. Donc, depuis 2011, là, on les suit à chaque année, pas à pas, en suivant bien la croissance. Puis, on anticipe là, que d'ici quelques années, ils vont être de taille suffisamment grande, puis en biomasse suffisante pour supporter une pêche commerciale. Les industriels du Québec voient le sébaste dans leur soupe, je pourrais dire, mais ça va prendre plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement. Tant dans les bateaux que dans l'équipement, il va falloir, parce qu'on a un peu une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des pêches, c'est-à-dire qu'on a affaire à une main-d'œuvre qui atteint un certain âge. Et il n'est pas absolument automatique que la jeune génération va vouloir sauter là-dedans. Donc, il va falloir des bateaux nouveaux, des équipements à fine pointe de technologie, des équipements dans les usines également. Donc, on parle là vraiment de plusieurs dizaines de millions de dollars. Puis le grand point d'interrogation là-dedans, c'est d'abord, il faut reconquérir les marchés parce que ça ne sert à rien d'aller le pêcher puis de le transformer si on n'a pas d'abord sécurisé des marchés pour le vendre. On parle actuellement, là, le défi, bien, c'est la taille. Il faudrait que le poisson grossisse, puis il faudrait rebâtir les marchés. Parce que là, présentement, là, il n'y a plus de marché pour le sébaste, puis les prix ne sont plus là non plus. Et aussi, il faudrait trouver de nouvelles façons de transformer le sébaste. Pas nécessairement seulement en filet, il faudrait vraiment trouver des nouvelles façons, puis d'autres pays aussi qui seraient intéressés de se l'approvisionner. Donc, c'est sûr qu'il y a une pêche qui va revenir. La question, c'est quand est-ce que c'est le meilleur moment de la démarrer? Et puis là, donc, il y a plusieurs défis. C'est-à-dire que présentement, les prix pour le sébaste sont très bas puisqu'on parle de petits sébastes et puis qu'il n'y a pas vraiment de marché présentement pour des poissons de cette taille-là. Donc, on a le choix d'attendre qu'ils grandissent plus et puis d'avoir un meilleur prix, mais ça, pour un poisson à taille ou à croissance très lente, ça prend plusieurs années. Donc, il faut recommencer à un moment donné, recréer un marché. Et puis là, ça doit se faire avec des innovations pour les engins de pêche. En ce moment, les marchés du sébaste sont comment? Ah, il y en a pratiquement plus. Il y a un petit peu aux États-Unis, mais c'est le marché n'est plus là. Il n'y a plus de marché actuellement pour le sébaste. Les marchés sont encore là pour les stocks de sébaste qui sont pêchés dans d'autres pays. Le sébaste, c'est le fish and chips. C'est le poisson de prédilection pour le fish and chips.
Donc, il y a encore en Europe des stocks importants de sébastes qui sont pêchés, pas comme ça a déjà été. Sur la côte est américaine, il y a une certaine reprise aussi de la pêche, mais le marché existe, mais il est à reconquérir pour des nouveaux joueurs qui viendraient du Québec, les usines qui décideraient de revenir dans cette pêche-là, qu'elle soit située aux îles de Madeleine ou en Gaspésie. Je sais qu'il y a des transformateurs de poissons ou de produits marins qui regardent ce qui se passe dans le sébaste. Mais ça va prendre des investissements importants tant dans la pêche que dans la transformation, puis des efforts considérables de mise en marché, de reconquérir certains marchés qu'on a perdus depuis le milieu des années 80. Hein. Oui, c'est sûr que si les volumes sont là, là, y aurait besoin de gros investissements dans les usines pour transformer ces basses. Avec l'enjeu de main-d'œuvre qu'on a actuellement, probablement qu'il faudrait moderniser. Tout dépendant de la direction que prendrait la transformation, il faudrait moderniser. Bien, il faut toujours être prudent. Le stock va bien. C'est une bonne nouvelle. On n'a jamais vu ces niveaux d'abondance-là. Mais les sébastes ont la particularité de vivre longtemps, de croître lentement, mais aussi de se reproduire de façon sporadique. Donc, ce n'est pas des poissons où on va avoir des nouvelles cohortes à chaque année. On a parlé là, des nouvelles cohortes de 2011, 12, 13. Bien, il faut voir qu'on n'avait pas eu de cohortes importantes depuis 1980. Donc, en 1980 puis 2011, il n'y avait pas eu beaucoup de bébés. Donc, il faut gérer ça prudemment parce que c'est pas dit qu'on va encore regagner à la loterie l'année prochaine puis l'autre année d'après. Donc, il faut un peu gérer cette ressource-là comme un beau compte en banque. Là. On a eu un beau cadeau de Noël ou on a gagné à la loterie, mais il faut étirer cette ressource-là sur plusieurs années jusqu'à temps qu'on voit là, apparaître une autre vague de petits sébastes. Bien, l'avenir, à moyen terme, semble très favorable parce qu'on a eu un excellent recrutement 3 années de suite. Ces cohortes-là ont survécu, sont en train de croître. Mes collègues suivent l'abondance et la taille d'année en année. Donc, tout semble bien aller aux conditions environnementales actuelles. Est-ce que ces sébastes abondants maintenant vont à la fois bien géré, d'être pêché par l'homme et faire face à des eaux de plus en plus chaudes, de moins en moins riches en oxygène et de plus en plus acides, c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Bien, on voit ça d'un bon œil. On voit ça d'un bon œil encore, comme je vous ai dit tantôt, en autant que les pêcheurs, transformateurs, les clients, tout le monde travaille ensemble pour développer le nouveau marché, puis faire en sorte que tout le monde, que ce soit gagnant pour tout le monde, puis encore là, que le sébaste finisse par grossir. La pêche et la transformation du sébaste ont un avenir, mais je ne sais pas si cet avenir-là est au Québec, en raison de l'ampleur des investissements, des besoins en main-d'œuvre, puis la capacité des usines québécoises de reconquérir des marchés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la Terre, puis il y a beaucoup de monde qui aime manger du poisson. Donc, si nous, on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire.